Hello à toutes et à tous, c'est Natcrafter. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de Shovel Knight Plague of Shadows bonus. Et oui, car nous avons fini Shovel Knight Plague of Shadows à 99%. Je ne l'avais pas vu venir. Nous avons en effet toutes les crypto-pièces, toutes les partitions, mais il nous manque une tunique et une relique. Comme vous pouvez le voir, on pourrait croire qu'il nous manque un choc, mais non. J'ai fait une petite recherche et il n'y a plus pas de choc à avoir. Enfin, à voir en plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant cet épisode? Nous allons trouver la tunique manquante ainsi que la relique manquante. Mais je ferai aussi d'autres épisodes bonus sur les défis de Plague Knight. Donc, il y en a 21. Donc là, il y a des revanches. Donc là, c'est tous les boss, revanche. Et là, il y a 5 petits défis aussi. Donc il y a pareil chez Shovel Knight. Ça, on les fera quand on aura fait le let's play sur Shovel Knight. Et j'aimerais aussi vous présenter les exploits qu'on peut faire dans le jeu. Donc on peut terminer le jeu, récupérer toutes les crypto-pièces, acheter ou blablabla. C'est plein de petits exploits. Voilà. Donc c'est parti, on va aller chercher ce qui nous manque. Ah voilà, quand on a fini le jeu, on peut recommencer une partie plus, mais ce sera plus difficile. Mais ça, ce n'est pas le but. Premièrement, on va aller... voilà. Ici, on a des trucs à faire. Donc, on va lui parler. Nom d'un sabot, tu as toutes les crypto-pièces, n'hésitons plus, la science nous attend. Donc oui, on va débloquer la dernière relique, là c'est la dernière crypto-pièce, mes amis. Qu'avons-nous de... Un calice. Qu'avons-nous là? Nous avons le calice de Pandémonium. Un étrange calice, qui pourrait vous en dire plus? Donc voilà, j'ai fini mais je n'en comprends pas l'utilité. Vu tout le mal que tu t'es donné, prends-le quand même. Donc ok, ça c'est la récompense ultime, bien sûr. Je vais essayer de vous laisser cogiter. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette relique? Essayez de réfléchir. Vous avez sûrement une petite idée. Ok, donc. D'abord, on va lui donner les petites feuilles là. Allez. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toutes les musiques. On les regardera tout à l'heure. On les écoutera. Donc, vous avez deviné où allons-nous nous rendre pour le calice? Eh bien, étant Carpom, vous l'auriez prévu. Incroyable, un calice de Pandémonium. Je les pensais tous détruits depuis une éternité. Voilà. Le roi Carpov est incollable. Laisse-moi admirer son vortex tournoyant. Reste immobile pendant que je t'accorde de nouveaux pouvoirs. Ok. Cap de Pandémonium. Un habit instable et changeant. Donc on a la dernière relique et la dernière cape. D'accord. Ah oui, regardez. Donc en fait, on change. Alors, regardez, c'est devenu complètement aléatoire. Donc là, on a tous les objets. Voilà, c'est devenu aléatoire, tout change. Donc voilà ce que fait cette. Donc personnellement, je la trouve cool parce qu'elle change, mais contre les boss, c'est pas du tout pratique. Hein. Même les reliques changent. Bon, voilà. Donc on a fini sinon. On va juste... Hop. On a tout. Donc les amis... On va aller là-dedans. Parce qu'il y a un peu moins de bruit. On va présenter un peu le gamepad. Voilà. Donc en fait, c'est comme le menu. Il y a une partie alchimie. Avec l'inventaire. Les objets. Et un journal si on veut poster des messages sur Miiverse. Voilà.
Voilà. Donc on va. Donc on va garder cette carte. Hein. Voilà. Donc on est revenu. Ah, on est devenu tout gris. Qu'est-ce que. Ok, donc toi on s'en fout, on va écouter. C'est stylé pour se balader, mais ne l'utilisez pas pour combattre. Non, qu'est-ce qu'on a débloqué? Le combat intérieur. Beaucoup peur, parfois soi-même, c'est ça qui fait le plus peur. Tout le monde fait la fête, Olong peut aussi faire la fête. Une chanson pour danser, Magnanime. Donc on va écouter un peu. Et je vous mettrai la playlist de toutes les musiques dans la description. Et qui s'appelle une chanson bien pour réfléchir. Un coup décisif, chouette chanson, bagarre, défi. Pas d'armes ici. Les gens là-haut beaucoup aimé celle-là. J'ai entendu là-haut des fois. L'antre de l'alchimiste, tout le monde aimait celle-là, souvent la jouer. Préparez vos potions, chanson qui fait peur, mais avec aventure. Fleur d'Antimone. Docteur Knight aimait celle-là. Au long triste, il a oublié.
vas en solo, tout tranquille mais très solitaire. Semeur de troubles, les gros ennuis, ça fait des grosses batailles. L'art de l'adversité, sa chanson pour apprécier l'art. Eh ben quoi? Tango du roi Carpom. Olong espère rencontrer roi Carpom un jour. Jouer musique pour lui.
vitriol vital. Cette chanson si excitante qu'elle explose. La bataille du terrassier combat contre Chevalier Bleu. Pourquoi donc qu'il a une pelle? Le combat intérieur. Beaucoup peur. Parfois soi-même, c'est ça qui fait le plus peur. Sorti des ténèbres, tout le monde fait la fête. On peut aussi faire la fête aussi.
la note finale. Une chanson pour danser. Olong trouvait ça trop romantique. Bon, eh bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les bonus de Shovel Knight, c'est-à-dire la cape de Pandemonium, le Saint Graal on va dire, ainsi que toutes les musiques de ce jeu. N'hésitez pas à regarder mon let's play si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, et n'hésitez pas à aller regarder tous les défis de Plague Knight. Allez, moi je vous dis bye tout le monde.